Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on prendra la dernière fois le walkthrough de Wargame Red Dragon, la campagne de la poche de Busan. Et nous allons cette fois-ci nous attaquer au tour suivant. Commandant, le renseignement militaire va m'informer comment un régiment blindé ennemi se dirigeait vers Seo. Je vous conseillerais la plus grande prudence dans le secteur prioritaire. Comment confirmons décollage de l'escadrille de chasseurs MiG-29 n'a plus de leur troupeau sol. Prévenez nos pilotes que ça va chauffer. C'est leurs intercepteurs, si vous préférez, MiG-29. Alors, qu'est-ce qu'ils ont amené? Tank, infanterie, anti-infanterie, artillerie. Beaucoup de légers. Ils ont que 4 Chilka. En aviation, ils ont rien. Oh, c'est un affrontement, je pense, plutôt facile, celui-là. Techniquement, cette campagne est très facile à finir en 7 tours. Bon, je vais pas viser à faire ça en 7 tours, je vais viser un peu plus de tours. Un peu moins de tours. Enfin, je vais tenter de faire en moins de tours, plutôt. Que je pense que ça devrait être largement déjà assez long. Il faut éviter que les campagnes soient quand même trop longues, hein, je pense. La F-18, on est quasiment plus en plus. Ah, mon aviation s'est bien fait. Oula, raboté. J'ai dû faire une résolution automatique, je pense. Parce que j'ai perdu beaucoup de troupes là. Ah bon, tant pis, hein, on va faire avec. Si l'ennemi s'est déployé là, je pense qu'il est à peu près là. À peu près. Eh. Voilà. Ça, c'est de connaître à peu près les unités, à peu près leur vitesse. Et on constate que j'ai fait sauter une DCA, mais c'était pas une Chilka. Donc voilà, c'est... Ça, techniquement, ce bombardement là, quand c'est la première fois que vous jouez au jeu, vous aurez du mal à anticiper, étant donné que... Ça demande un peu d'expérience et de connaître les unités ennemies pour savoir à peu près leur vitesse. À partir du moment que vous jouez un peu au jeu, vous verrez que ça, c'est très simple. Deux décès de moi. Bon, vous comprendrez que la résolution automatique n'est pas une bonne solution. Hein. J'ai perdu beaucoup de troupes pour rien. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas ça qui va finir, qui va provoquer la fin de la mission. Ah, j'ai pas remarqué. Bon, ça c'est un petit problème, mais bon. Bon, aucune idée d'où peut être le commandant, donc on va tenter le coup de chance, hein, on va forcer la chance, comme d'habitude.
j'étais ici. Bon. Il y a ce planque à des endroits à peu près. De manière générale, assez logique, étant donné qu'elle agit un peu comme un joueur. Quand vous jouez, vous savez que c'est mieux de foutre ça dans un bois, étant donné que l'ennemi va moins vous voir. Mince, tout commence à se repoper autant de tête. Mais ça suffit. Bon, ça permettra de réorganiser cette armée là. Ce n'est pas plus mal. Voilà. Oh quoi. Donc ici j'ai emmené une division de support. Ah non, de blindés. Et je vais peut-être déployer. Ouais, je vais déployer ça. Ça, c'est une division de débarquement, donc. Bon, j'ai deux divisions. Voilà. Cette division-là, techniquement, peut largement faire face à celle-là. Parce que j'aurai un soutien naval. Mon aviation. L'ennemi a des A51, donc c'est pas. Ils ont de la DCA, donc voilà. Est-ce qu'ils ont des chars en fait? Ils ont pas de char, étant donné qu'ils ont pas de char, je vais mettre mes. Est-ce que j'ai à. Non, je les ai pas. Non, je les ai pas pris. Je crois que j'avais pris en fait déjà cette escadrilla, mais en fait non, j'ai oublié de la prendre, donc c'est pas grave. Ici, c'est en anti-char. La brigade anti-aérienne, elle va être réorientée ici. Et nous allons faire. Wangekok, parce que moi je vais quand même vous garder le nouveau terrain pour la fin. Comme toujours, l'ennemi a plein de a des MiG-29 que je vais vous montrer. Donc voilà, c'est des avions d'interception. Bon, niveau CME, ils sont plutôt bien. Voilà, niveau vitesse, c'est bien. Par contre, niveau armement, c'est pas ça. Ils sont derrière. Toujours risque 25K. Honnêtement, il y a mieux comme avion. Il y a pire, mais il y a mieux. Surtout pour le prix. 125 points pour un avion comme ça, bon, ça justifie, étant donné qu'il est plutôt bien en. Excusez-moi, AVG. Mon antivirus qui fait des siennes, je m'en excuse. Voilà. Comme à mon habitude, je vais mettre deux chars gourds ici, je vais mettre 4 chars standard là, je vais en mettre 2 lourds ici aussi, mettre une reco. Par contre, je vais mettre 2 DCA ici, ça je vais être honnête parce que ça commence un peu à m'énerver leur aviation. Et quand il y a une aviation moi qui m'énerve, je la fais sauter. Et je vais prendre un avion d'attaque au sol. Donc j'ai pris deux Hawks. C'est quasiment la meilleure DCA du côté. C'est la meilleure DCA en fait anti-avion du côté américain et coréen. Du fait. De leur portée, de leur précision et de leur antipersonnel. Par contre, ils ont deux que 3 missiles, donc niveau munitions, ils sont très vite à court. Faut pas déployer ça. De 2, c'est radar. Et aussi un long temps de reload, mais bon, ça c'est pas encore le plus gros problème. Donc, vous avez que 3 missiles, c'est radar, ça peut poser problème. Il suffit que vous passez par exemple un SID ou un CA de. Pour neutraliser justement tout ce qui est radar.
et ça se fait dégommer. Voilà, c'est le bémol de cette unité. Faut bien qu'il y en ait une, hein, de bémol. Oh, encore un commandant. Ah, mais les commandants gratuits, eux, ils aiment bien. Pour l'instant, j'ai gardé mes missiles en t-shirt parce que je sais pas en fait où sont les reblindés. C'est. Ah, bah, et voilà. Ouais, comme toujours, sur cette map, l'IA agit de la même manière. C'est le défaut. Voilà, c'est un des défauts du jeu. L'IA agira toujours à peu près de la même manière niveau attaque. Mais ça arrive parfois quand même qu'elle passe par ici. Ça m'est déjà arrivé dans certaines parties. Mais globalement, l'IA agit de la même manière. Vous voyez, un commandant qui part tout seul ici, vous le dégommez. Ça, c'est dommage. Et en plus, c'est pas des petits chars qui m'ont. C'est pas un mauvais char du tout, ça. Et honnêtement, la raison pourquoi j'ai mis des hauts, c'est quand même. Ils ont même. Là, j'ai été surpris. Je crois que c'est la première fois en fait que j'arrive à louper autant de missiles Hawk. On va dire d'accord. Je pense que c'est pour me rajouter un peu de chaîne, mais là par contre c'est légèrement problématique. Pourquoi je les ai pas encore récupérés ces derniers? J'ai toujours les deux autres en stand-by, ça c'est dommage par contre. Ah oui, il y attaque automatiquement les ravitaillements. Voilà. Vu que ma D7 est de nouveau ravitaillée, ben elle s'est repliée. Ces chars sont largement les équivalents des miens à courte portée, largement. Vraiment que ça. Voilà, un avion de moins. Bon, j'ai perdu un haut. C'est quand même toujours un peu quand vous perdez un avion. En tout cas, contre un vrai joueur, c'est toujours gênant. Dans la campagne, vous en fichez totalement de perdre un avion, je vais pas vous mentir. Mais bon, quand il vous reste 3 avions et que vous en perdez un, là vous comprendrez que c'est vraiment gênant. Donc, faut plutôt éviter. Normalement mon char devrait abattre parce qu'il est moins paniqué. Et globalement, j'allais dire qu'il était plus précis, mais pour l'instant, il m'a pas montré. Ah, Isukoi. Oh. Et Su-80.
Bon. Ça va, j'ai quasiment détruit une. Quasiment. Ouais, j'ai détruit surtout les chargas, donc ça m'arrange. Gravation un peu plus détruite. Ils ont encore perdu des commandants. Habituel, quoi. Et ici. Voilà. Donc, ils ont beaucoup de support, hein, on peut constater. Ils ont un peu de reconnaissance, quelques véhicules, mais ils ont pas de char. Ils ont aussi beaucoup d'hélicos, donc important c'est d'avoir deux ADCA dans un cas comme ça. Comme ça vous évite d'être détruit par les économies. Voilà, j'ai des Avengers, donc c'est une bonne DCA. Par contre, il faut comprendre une chose. C'est que vous voyez que j'ai pas mes chars, pour la simple bonne raison que c'est des troupes globalement lentes, les chars ils se dépassent pas assez vite en fait pour arriver sur le champ de bataille. Donc là je vais jouer quand même avec une partie de mon armée en moins. Je ferais même en fait avoir au moins quelques bataillons de chars, mais apparemment même pas. Donc là ça, honnêtement cette bataille va être quand même être sympathique parce que j'ai pas de chars en fait. Et pas avoir de char, c'est quand même marrant ça. J'ai des hélicos de combat, donc honnêtement de ce côté-là, c'est bien. Bon, j'ai des Avengers, donc c'est des DCA équipés de Stinger, donc voilà, c'est vraiment des bonnes DCA contre les hélicos, contre l'aviation ennemie, bon c'est vraiment pourri. Et tenez, une DC ennemie, une. Non, voilà en fait pourquoi je conseille de pas faire ce que je viens de faire, de pas lancer un assaut directement. Parce que certaines de vos troupes ne sont pas forcément présentes. Quand vous lancez un truc comme ça, vous avez meilleur temps en fait d'attendre un tour, quitte à ce que l'ennemi vous attaque, mais là vous aurez au moins toutes vos troupes. Là, dans mon assaut, j'ai quand même perdu une bonne partie de mon armée. Ce qui peut être problématique. Par contre, vite appeler ça. L'avantage du lance-grenade, c'est que c'est très efficace contre les troupes légères et non blindées, ou très peu blindées. Là, ils ont envoyé un SEAD par exemple. Bon, par contre, je vais être très limité en troupes, donc faut que j'évite d'en perdre. Hein. Voilà. J'ai perdu une des 16, ils ont perdu quoi? Ils ont perdu 3 avions. Voilà à peu près le rapport de force qu'il faut que vous fassiez à chaque fois. Ah non, j'ai pas prévu qu'ils aient autant d'avions. Autant d'hélicos en fait. J'avais anticipé qu'ils allaient avoir des hélicos, mais j'avais pas anticipé qu'ils allaient en avoir autant en fait. À cet endroit. Bon, c'est pas grave. Driver, we're in a hurry.
Et normalement, l'IA va aller chercher le point là-haut. Au bout d'un moment. J'ai bien dit normalement. Et bah, nous avons trouvé probablement. C'est probablement le commandant, ça en fait. J'ai quand même me réorienter quand même comme ça, c'est quand même déjà plus jouable. On se demande s'ils savent vraiment ce qu'ils veulent en fait les ennemis. Et on peut constater aussi que sur cette map, bon, je m'excuse, je parle pas beaucoup, mais bon, je me concentre quand même un peu sur la bataille, hein. Mais on peut constater, si vous avez fait un peu attention, que cette map, il y a beaucoup de relief. C'est vraiment un des points où ils sont beaucoup appuyés sur ce jeu, c'est sur le relief. Comparé à Precision Opus, et honnêtement... C'est très important de... Le relief est vraiment très important dans ces batailles. Voilà. Et l'ennemi, je suis en train de le massacrer. Enfin. Profite simplement du fait que j'ai beaucoup d'hélico. Donc voilà, là où, bon, moi j'essaie quand même d'éviter quand même que ça soit trop long. Donc, d'éviter qu'elle soit trop long. Je vous conseille quand même d'attendre un tour. Quand même, si vous voulez vraiment bien réaliser cette mission sans trop de difficultés, vous attendez un tour, vous avez toutes vos troupes. Là, avec vos chars, tout ça, ça sera beaucoup plus simple. Et vous prendrez beaucoup moins la tête, honnêtement. Donc, ça, c'est un conseil personnel. Après, à vous de l'appliquer si vous le souhaitez. Hein. Et ici, encore d'autres véhicules de ravitaillement. Et voilà, ils ont plus d'avions. Là, ils viennent de perdre quand même 4 avions. Donc, moi, je veux dire, c'est vraiment rentable pour moi. Non, rentre. Et encore un avion de moins. Donc vous voyez, c'est pas cette mission est vraiment simple, cette bataille là, pour une simple bonne raison, que l'ennemi n'a pas de chars. Si l'ennemi aurait eu des chars, c'est là justement que c'est important dans ce jeu. Si l'ennemi a des chars, vous attendez un jour. Vous attendez une journée, l'ennemi techniquement vous attaquera sur ce secteur là. Non, j'ai pas vu. Il reste plus qu'un Avenger. Thank you.
c'est pas grave. Parce que mon artillerie a honnêtement fait le travail. Hein. Et vu le peu de points qui reste ennemi, je peux dégommer ça avec les IP. Et voilà. Et c'est ainsi que le tour 4 se termine. Ils ont détruit la 4ème brigade anti-tank. Là, ils ont perdu, vous voyez les véhicules qu'ils ont perdu en aviation, ils ont perdu 6 sur les 8 avions. Bon, moi j'ai perdu 3 Avengers surtout. C'est bon, quelques VTP, donc ça m'a fait perdre quelques US Marines, mais bon. Et voilà comment on termine ce tour. Et au tour prochain, bah, je vais pas vous mentir, on s'attaquera au dernier secteur. Hein. Ce secteur-là. Donc, en fait, ce que je crois bien que l'histoire, en fait, ça met de la cohésion. Non, parce que ceux-là, ils auraient dû attaquer alors. Peut-être d'initiative carrément, parce qu'il faut 2 points d'initiative pour se dépasser, ils en ont 3. C'est... Oui, c'est ça. Moi, je pense que ça vient de l'initiative. Les troupes, voilà, c'est l'initiative. Bon, on va trouver comment ça se fait que ça s'est passé comme ça. Ça vient de l'initiative de vos troupes. Donc, faites en sorte d'avoir que vos troupes aient suffisamment au moins 1 point d'initiative pour qu'ils combattent ensemble. En dessous, ils pourront pas combattre ensemble, ça serait problématique quand même. Bon, quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien. Et merci encore à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à ciao tout le monde.